m'appelle Kevin, donc c'est mon surnom. Je suis nantais, je suis batteur. Pas musicien, mais batteur. Je joue aujourd'hui dans Kokomo. Je suis le batteur et le binôme de Warren. C'est une rencontre qui s'est faite il y a 5 ans. J'étais batteur dans un groupe et il était guitariste dans ce groupe-là. Et entre chaque répé, chaque blanc, ça avait fumé des clopes. Nous, on répète, enfin, on jouait des trucs tous les deux. Le groupe s'est monté comme ça. C'était une rencontre autant amicale que musicale. Ce qui fait la particularité de Kokomo, quoi. Il y a son âme et il y a mon âme. Et il y a sa folie, il y a la mienne. Je pense que c'est une histoire d'amour, en fait, déjà, pour tout simplement. On a chacun notre rôle, ouais. Warren Mee est guitariste-chanteur, donc pour les compositions, par exemple, il va ramener des gros riffs de gratte et les paroles. Moi, je vais plutôt côté arrangement, tu sais, par rapport aux machines, comme je maîtrise un peu tout ce qui est MAO de ça. On est vachement complices et vachement complémentaires dans la création de la musique, en tout cas. Tapez, batterie. Poumchak, poumchak. Eh bien aujourd'hui, oui, j'ai la chance et la fierté de faire partie de la famille de Zildjian. Et j'ai choisi des cas custom. Chaque voyage que je fais, moi je pars avec mes cymbales parce que même si j'ai pas ma caisse claire, pas mes fûts, j'ai mes cymbales. Et c'est mes cymbales, c'est mon son, c'est mes chaussures, c'est mes chaussettes, c'est, tu vois. Et là, j'ai choisi ces cymbales-là parce que j'en ai comparé 3-4. Et tu vois, j'ai donné juste un coup, si tu veux, dessus, sur la batterie, encore une fois. Et j'ai fait, bon, il y a un truc particulier qui me branche, qui va peut-être avec le son de ma batterie, et en même temps, Warren et moi, on aime bien quand on a un truc un peu particulier, et je pense que c'est des cymbales particulières. Après, chaque batteur pourra avoir la même cymbale que moi, on n'aura pas le même son. Alors ouais, j'ai une config assez particulière aussi. Depuis quelques temps, je suis passé sur un Charlotte 18. Donc un Charlotte 18 n'existe pas encore en fabrication. Donc dans ma config, j'ai pris deux crash de 18, de K-Custom justement. J'ai une ride crash que je vais avoir en 23. De K-Custom aussi, la même référence. Et j'ai une grosse crash de 20. J'ai une batterie assez grosse aussi, je passe sur 26, 16, 18. Tu vois, j'ai une caisse claire de 15, donc il y a un truc un peu... C'est pas pour ça que mon sexe est énorme, mais c'est... Au moins, j'ai un son de batterie. Bah avec Kokomo, on tourne aussi bien en France qu'à l'étranger déjà, mais il n'y a pas de, on préfère pas forcément les grosses scènes ou les petites scènes. On a fait plein de choses. Je suis pas trop geek de la batterie. Par contre, aujourd'hui, je te conseillerais de plutôt choisir son son et son style, même si ta main tu la joues comme ça, alors que tu vas jouer ta batterie comme ça, ou tu vois, ou tu dois t'assis comme ça. C'est des trucs, tu vas pas me poser la question, mais c'est des trucs, moi je m'en carre complètement. Moi, je me considère pas comme un gros technicien. Par contre, je suis content de mon son. Je sais régler une batterie. Voilà, je sais choisir mes cymbales, donc je pense que c'est plus ça, ouais, c'est le côté d'avoir sa patte, quoi. D'avoir sa propre personnalité, ouais, je pense que dans la vie ou dans la musique c'est pareil, quoi.